Salut à tous, c'est Apprenti Dog. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder un sujet. Avoir un chien qui bave, oui ou non? Alors, je tenais à aborder ce sujet parce que je vois beaucoup de gens qui prennent des gros chiens comme des dogs allemands, des Saint Bernard et bien d'autres chiens. Mais l'inconvénient de ce chien, c'est déjà sa taille qui est imposante. Son poids en grandissant qui est imposant et un sujet que tout le monde fait que ce chien, il ne sera pas adopté parce que le chien en grandissant, comme il est imposant et la race fait que en grandissant, il bave. L'inconvénient des chiens comme ça, c'est que il faut tout le temps, par exemple, il faut prendre une serviette. Moi, je vous conseille d'avoir une serviette avec vous pour nettoyer sa bave, parce que sinon, s'il veut dire bonjour aux gens en s'approchant, il met de la bave sur le pantalon. C'est ça l'inconvénient. Mais aussi, c'est de très bons chiens, de très beaux chiens, pardon. Mais faut jamais prendre un chien parce qu'il est beau. Il faut que ce soit un choix réfléchi et pas on dort, le lendemain je me réveille, ah c'est bon, je vais à Dog Allemand ou je vais à Saint Bernard. Parce que c'est un chien. Comme les dogs allemands, en grandissant, déjà, c'est un grand chien. Il se met debout carrément, moi, il me dépasse. Et c'est un chien qui fait entre 50 et 95 kilos en étant grand. Alors, ça, il faut prendre en compte et pas se dire, on se réveille le matin, « Oh, j'ai fait un rêve, je vois un chien. » Parce que, de toute façon, c'est pas ça. Et après, vous allez regretter et finir peut-être par l'abandonner ou le donner, ce qui n'est pas forcément... adapté pour le chien, parce que le chien c'est pas un objet. Alors voilà, faut toujours prendre en compte ça pour avoir le chien que vous souhaitez, qui vous correspond à votre caractère. Mais n'oubliez pas, c'est que si vous avez bien compris ces choses là faut aussi réussir pendant les promenades à le tenir, et surtout quand il bave, tout le temps le nettoyer. Faut tout le temps avoir une serviette avec soi. C'est ça l'inconvénient. Alors, j'espère que vous avez pris bien compte de tout ce que je viens de vous dire. Suivez-moi sur Twitter, Facebook, Google. Abonnez-vous, likez, suivez-moi sur Twitter et tout ce que je viens de dire auparavant. Et j'espère que vous aimez mes vidéos. Je vous dis à plus. C'est Apprenti Dog.